Bienvenue dans On ne peut pas parler à tout le monde. Aujourd'hui, une émission spéciale plein désert. Nous faisons une spéciale fou. Il fait exactement 52 degrés à Londres, 5. Et aujourd'hui, notre invité sera l'empereur Yod Ier. Il se fait appeler comme ça car il est fou, complètement dingue. Il se prend pour Napoléon Bonaparte 19. Et pour nous décrire ses comportements, le docteur Kepislo... Qui c'est qui va faire du ski? Hein, pardon? Oui, donc je disais, docteur, qui va faire du ski? Neuropsychanalyste complémentarisé pour... Dégénérescence, oui. On peut dire ce terme, c'est vrai, ce n'est pas beau. Nous allons accueillir notre invité, l'empereur Yod Ier. Bonjour cher empereur. Bonjour. Alors, ça aussi, ça va. Combien? 52,8. 1,5. Ça a baissé. Cher empereur, comment vivez-vous au quotidien? Bah ça va, hein. Monsieur qui fait du ski? Ça va aussi. Non, je voulais savoir ce que vous pensiez de excusez-moi. Est-ce que vous pensiez de ce qu'il avait dit? Je veux dire ça va pour un dingue. Parlons cru, hein. Merci monsieur qui fait du ski. C'est chaud, vraiment chaud ici. Oui, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler à tout le monde. Je vais vous poser une deuxième question. Quand vous allez acheter votre pain à la boulangerie, que vous dit la boulangère? Oh, ça va. Du monsieur qui fait du ski. Je ne pense pas que sa réponse soit très exacte. Vous savez, non, je ne sais pas. Enfin, moi personnellement, ça va. Moi non plus, je ne sais pas. Oui. Eh bien. Ouais, pour moi, ça va. C'est vraiment chaud ici. Ah oui, ça. Putain, mais c'est le désert, c'est ici. C'est le désert. Oui. Voilà, une autre question là, parce que j'ai mes troupes à faire manœuvrer. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude, là, château de Compiègne, il fait moins chaud qu'ici. Hein. Ça c'est... Bon, alors, votre troisième question là, ça va. Voilà, très bien. Avez-vous des comportements. Qui me touchent? Bon. Tu veux que je te fasse fusiller à l'aube? Monsieur qui fait du ski. Monsieur qui fait du ski! C'est qu'un seul moyen de faire punir les traîtres, 12 balles dans la peau. Touche pas l'empereur! Du calme! De ce genre de comportement venant des fous maladement atteints. Vous pointez pas du doigt l'empereur! Est-il souvent dingue? Tous les jours, tous les matins, je le vois frapper ses amis, je le vois frapper son chien! Son chien! Il a décapité son chien! Ah! Il a décapité son chien! Avec ses dents? Non. J'aurais cru. Avec une décapiteuse, ça s'appelle comme ça, c'est pour la cuisine. Décapiteuse. Je comprends. Est-ce qu'il a un nouvel animal de compagnie maintenant? Eh bien, je ne crois pas. Je ne sais pas bien. Je vais lui demander. Monsieur Yod Ier. Bien, ma bicorne. Monsieur Yod Ier. Non. Ça va pas? Si, ça va. Répondez à la question, s'il vous plaît. Écoutez le présentateur. Ça va traître. Pourquoi vous je serai fusillé demain. Pourquoi vous n'êtes pas sérieux? Je suis pas sérieux. Avez-vous un nouvel animal de compagnie depuis la décapitation de votre chihuahua? Je n'ai jamais eu chihuahua. Mon chien. Ouais, j'ai mon poisson rouge rangé. Mais il s'est pendu. Eh bien messieurs, merci de votre gentillesse. Bon, je vais faire manœuvrer mes troupes pour le château de Compiègne. Salut.
Là, je suis bien, là, je suis bien. Merci, un grand frère. Qui veut du ski? Bon, c'était On ne peut pas plaire à tout le monde.